Bonjour à tous, je suis en compagnie de Franck Sauzet pour vous faire vivre ce match amical. Nous allons suivre l'opposition entre l'AC Ajaccio et le Paris Saint-Germain. Nous allons vous faire vivre ce match amical, une rencontre sans véritable enjeu. Oui, mais je connais la mentalité des joueurs qui sont là, ce sont des compétiteurs. Je peux vous dire qu'ils n'ont pas du tout envie de laisser filer. Le PSG qui a un bon record de longévité en première division. Et c'est vrai que le club n'a pas quitté l'élite du football français depuis 1974. L'arbitre du match, Monsieur Jean Rabaud. Et les joueurs du Paris Saint-Germain qui vont engager les hostilités. Pedretti. Randon de Ville. Oh, il la récupère. Oliech. Lucas. Adrien Rabiot. Matuidi. Oh, c'est parti! Le gardien qui nous sort un arrêt de grande classe. Et le ballon qui franchit la ligne, ce sera un corner. Centre sur le défenseur. Le ballon rendu à l'adversaire. Adrien Rabiot. Johan Cabaye. Oh, dans la boîte! Lucas. Un petit peu court sur ce ballon. Ouais, parce qu'il ne peut pas la rabattre. Paul Babiloni. Donc Alves. Le Paris Saint-Germain qui reste sur une belle année avec un titre de champion de France, le troisième de l'histoire du club, le premier depuis 19 ans. On peut ajouter également une place de quart de finaliste de la Ligue des Champions contre Barcelone. Ah, ça sera une touche. Johan Cabaye. Grégory Van Der Ville. Lucas. Ah, il a vu qu'il n'était pas tout seul. Il trouve son partenaire.
Edinson Cavani. Touche, ouais, touche. Brandon Deville. Maester. Oliech. Il vient en contact. Oh, la lutte est âpre pour reprendre ce ballon. Alors, touche longue, touche courte. Donc Alves. Paul Babiloni. Bon, pas de problème apparemment pour les Parisiens dans cette partie. Non, ils ont les atouts pour s'imposer, on n'en a pas douté. Superbe Brandon Deville. Oui, but! Franck, qu'est-ce qu'il faut pour marquer sur une reprise de volée? Un peu de réussite? Il en faut, oui, un petit peu, mais il faut surtout prendre la décision très tôt. Garder l'œil fixé sur le ballon, être bien équilibré et bien traverser le ballon au moment de la frappe. C'est donc l'ouverture du score 1-0. Lucas. Adrien Rabiot. Cavani. Grégory Van Der Wiel. Ouais, ça c'est bien, sur l'aile. Pedretti. Oh, sur ce coup-là, il est allé au casse-pipe. Allez, bon jouer la touche. Pedretti. Johan Cavalli. Baybeck. Digne. Adrien Rabiot. Le long de la ligne de touche. C'est contré. Johan Cavalli. Gonçalves. Et il lui redonne. Matuidi. Cavalli. Digne. Allez, on fait tourner en attendant de pouvoir placer une flèche. Il dévisse ce ballon hors des limites. Pedretti. Maester. Brandon Deville. C'est une touche. Johan Cavalli. Ah, c'était impossible à contrôler quasiment. Pedretti. Brandon Deville. Ouais, il n'est pas seul, il a du soutien. Lucas. Grégory Van Der Wiel. Trop fort ce centre. Ouais, le gardien va pouvoir dégager. Excellente intervention défensive. Ça donne vraiment une très belle image.
Gonsalves. Ouais, 1-2. Ah, ce sera pour le défenseur. Lucas. Le temps additionnel. Cavani. 3 minutes minimum. Adrien Rabiot. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Oliech. Et on retiendra donc dans cette première période eh bien qu'on a vu un but 1-0 à la mi-temps. Une première période un petit peu mieux gérée par cette équipe qui fait donc la course en tête. Ça s'est joué beaucoup au milieu de terrain. Brandon Deville. Après le passage au vestiaire, c'est donc reparti pour 45 minutes. Et ouais, le ballon qui circule bien. Pedretti. Juan Cavalli. Pedretti. Goncalves. Et le ballon qui arrive dans Oliech. Ah, le ballon qui tape la transversale. Donc Alves. Pedretti. Oliech. Juan Cavalli. Et l'entraîneur de l'équipe à domicile qui va faire rentrer du 109. Digne. Mathieu Digne. Cavani. Ils vont pouvoir jouer à la touche. Changement. Et l'entraîneur qui apporte du 109 à son équipe avec un changement. Brandon Deville. Oliech. Jean Rabot qui sait déjà dans sa tête hein, s'il va mettre un carton. Cette grosse occasion à nouveau.
se détend, ballon capté. Digne. Lucas. Grégory Van Der Ville. Un prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire entrer un petit peu de 109. Ça peut être dangereux ce centre. Bien centré pour Cavani. La défense qui va être sous pression avec ce corner qui est concédé. Ils sont son équipe en difficulté. Ce changement tactique est peut-être ce qui manquait à ses joueurs. La défense qui repousse ce ballon de la tête. Et ce sera une touche pour le PSG. Et intercepte. Brandon Deville. Il va essayer de lui prendre le ballon. Et l'arbitre qui accorde un coup franc. On revoit cet arrêt. Et ça donne toujours de superbes images. Clément Chantôme. La Metzi. Grégory Van Der Ville. La Metzi. Ouais, à toi, à moi, ça circule bien. Clément Chantôme. Cabaye. Oui, jolie 1-2. Chantôme. Le joueur parisien qui va lever la tête. L'attaque est intéressante. Clément Chantôme. Oh, il la récupère. Ouais, mal centré. Dommage. Un bon ballon d'attaque perdu. Brandon Deville. Pedretti. Juan Cavalli. Oh, penalty, c'est net, ouais. Ah oui, il y a faute, bien sûr, penalty. Penalty, et pour l'arbitre, ça mérite même un jaune. Et ça peut sembler sévère, cette double peine, mais les joueurs connaissent le règlement. On revoit cette intervention défensive irrégulière. Et le joueur s'est un peu laissé emporter sur son tacle glissé. Tout ça avec ce changement, il faut tenir. Gardien qui l'arrête. Ah, c'est très bien joué là. Il a choisi la bonne option. Ah, il concède un corner. Attention à cette occasion. Ah, regardez comme le gardien a bien joué le coup. Et il a fait le bon choix. Hein. C'est parfait. Pedretti. En 1-2. Marester. Et on tentait de passer par les côtés.
Touche, ouais, touche. L'entraîneur ne pouvait pas faire autrement que le sortir. Ah, il n'a pas été bon, hein. Pas du tout même. Randon Deville. Pedretti. Possession de balle assez équilibrée, on le voit. Mais c'est peut-être la clé du match d'ailleurs. Grégory Van der Ville. Parisien qui vont tenter de se faire pressant sur cette montée. L'arrêt du gardien, c'est propre et net. Écoutez les supporters qui poussent en cette fin de match. Ils savent qu'on est peut-être à un tournant de cette rencontre. Une grosse ambiance ici en effet. Il faut dire qu'il y a peut-être un bon coup à jouer. Les joueurs le savent bien. Oh, c'est un penalty. Oh, le tournant du match. Sur ce penalty, ouais, il trompe le gardien, on le revoit. Il a levé la tête juste avant la frappe pour voir si le gardien était parti ou pas. On verra peut-être mieux ce qui s'est passé, hein, sous un autre angle. Donc un but partout. Kanté. Pedretti. Fantôme. Serge Aurier. Léon Fantôme. Les joueurs du PSG qui savent que ce ballon est important, c'est certainement l'une des dernières offensives de la rencontre. Lucas. Au centre pour, contre ce centre. Et ce corner du Paris Saint-Germain, il est important, il faut bien le tirer. Il place son ballon juste sous la barre, plein axe. Thank you.
dégagé de la tête par le défenseur. Impossible de départager les deux équipes à l'issue du temps réglementaire. Brandon Deville. Edinson Cavani.